Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du samedi, donc nous serons le 30 avril, et du dimanche 1er mai, les amis. Je vous souhaite un joli 1er mai. Voilà, on démarre un nouveau mois. J'espère que le temps sera meilleur que chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est une catastrophe depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que ben, sans le soleil, c'est quand même moins cool. Allez les amis, on va voir les énergies du week-end. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne, les amis. Allez, nous avons le travail, nous avons le chemin et nous avons l'homme, les amis. Donc il se peut que pour un homme de votre entourage ou si vous êtes un homme, vous ayez un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là dans le domaine peut-être professionnel avec le travail hein, ou peut-être que vous êtes passé par un travail intérieur qui vous permet d'ouvrir un nouveau chemin. Voilà, pour d'autres, si vous êtes une femme, il peut s'agir de démarrer un nouveau chemin en lien peut-être avec des projets, avec un travail, et vous avez à vos côtés un homme qui vous guide sur ce chemin. Voilà, allez, je continue les amis. En tout cas, le chemin avec le soleil central, c'est que vous êtes sur votre bon chemin, hein. Il y a une notion de guérison, les amis. Donc, il peut s'agir d'un travail de guérison intérieure que vous avez fait. Et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous en lien avec ça, puisque vous êtes passé par une libération, une guérison intérieure. Soit vous prenez un chemin dans votre vie en lien avec la guérison, l'accompagnement, la guérison au sens large des gens. Peut-être que c'est un nouveau chemin que vous prenez et vous avez à vos côtés quelqu'un qui vous aide, tout simplement. Il peut s'agir aussi d'un thérapeute que vous avez rencontré, qui vous aide à vous libérer, à faire un travail de guérison, et ça va vous ouvrir un nouveau chemin également. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quand même un nouveau chemin qui s'ouvre et en lien avec une guérison, les amis. Allez, je continue. Nous avons le vœu, les prières qui sont entendues et qui sont exaucées. Peut-être que ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous est en lien avec des souhaits exaucés, tout simplement. Vous avez peut-être l'arrivée de quelqu'un qui vous guide, justement, ou qui vous amène à vous diriger vers ce nouveau chemin. En tout cas, on voit avec la carte du double jeu, c'est que vos prières sont entendues, vos prières sont exaucées. Vous êtes peut-être passé par un travail de guérison intérieure. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et qui est lumineux. Et à vos côtés, vous avez l'importance d'un homme qui va rentrer sur ce chemin ou qui va vous guider sur ce chemin. Il se peut pour celles et ceux qui sont célibataires que vous êtes passé par un travail de libération, de guérison intérieure en lien avec une séparation, une trahison avec un homme. Et là, on voit que maintenant que vous êtes libéré, guéri de ces blessures, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous sur lequel vous allez avoir une personne qui vous correspondra et qui rentrera dans votre vie, tout simplement. Et c'est comme si l'univers vous disait que vos prières ont été entendues, vos prières sont exaucées. Et que, une fois libéré des blessures du passé, ben, vous allez laisser la place à des personnes qui vous correspondront mieux et qui vont venir illuminer votre chemin, les amis. Allez, les amis, ben oui, il y a de belles unions qui arrivent, il y a des changements, hein, il y a des changements qui vous amènent de belles unions, les amis. On a encore l'homme dans ce tirage, donc il se peut que certaines personnes ben, rencontrent l'homme de leur vie, tout simplement, hein. Ça va leur procurer de très fortes émotions. Je pense que ce sera un homme avec lequel il y aura des échanges sincères, très profonds. Pour moi, c'est un homme bienveillant qui arrive dans votre vie et ça va complètement vous transformer et vous faire changer. En tout cas, là, avec ces cartes, il y a une... Alors, un changement dans une relation existante, ça peut... Pour entamer une nouvelle étape de vie plus lumineuse après un travail de guérison.
Mais ça peut être l'arrivée, à mon avis, de quelqu'un avec lequel vous allez vous unir sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Voilà. Et en tout cas, moi, je vois qu'avec la carte du vœu et des prières entendues à exaucer, c'est que cette personne, si elle rentre dans votre vie, ce n'est pas un hasard. Et je pense que vous allez très bien matcher. Vous allez très bien vous entendre. Vous allez très bien créer quelque chose à deux qui va être positif et très engageant, les amis. Hein. En tout cas, votre chemin, il s'illumine, tout simplement. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux avec le soleil au bout, les amis. Hein. Vous allez retrouver de la fluidité dans une relation, alors soit déjà existante, ou vous allez vers une meilleure fluidité, une meilleure profondeur des sentiments, ou alors je vous dis, et ce qui me vient, c'est un travail de guérison intérieure et l'arrivée de quelqu'un pour celles et ceux qui n'ont personne dans leur vie. D'autres s'associent dans le domaine de la guérison également. Hein. Il y a une rencontre qui se fait pour enclencher des projets avec un homme en lien avec la guérison, les amis. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi qui peut se faire. Ou un contrat de travail avec un homme hein, qui sera bienveillant. Hein. Et qui vous apporte une guérison par rapport à un travail que vous avez perdu, qui a été douloureux par exemple, ou des choses qui ont été mal vécues. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a du changement et que vous allez vers plus de luminosité sur votre chemin, les amis. Donc, c'est très, très positif. Allez, je continue avec l'oracle Amour à mort. Si vous voulez voir les titres de mes oracles, vous allez cliquer sur le lien de ma page Pinterest en descriptif. Et je vous ai mis le titre et toutes les photos des oracles que j'utilise, les amis, pour que vous puissiez voir quels sont leurs noms si vous êtes intéressés. Hop, allez, il y a un nouveau départ, hein, un nouveau voyage. Hein, et il y a encore la guérison et la réussite, les amis. Hein. C'est beau, là encore, j'adore. Donc là, vous avez sur votre chemin, hein, on a deux fois les chemins qui s'ouvrent, les nouveaux départs, l'union et l'engagement avec un homme qui arrive sur votre route, avec lequel il va y avoir une forme de réussite, quelque chose qui correspond à vos voeux et qui vous apporte un bel alignement, une belle guérison. Donc ça peut être une guérison intérieure, ça peut être aussi dans le domaine de la guérison au sens large. Il y a quelque chose qui se profile sur votre chemin qui correspond à vos espoirs, vos prières avec les vœux et qui est amené à réussir tout simplement. Donc vous l'adaptez dans le domaine qui vous correspond. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. Ça peut être la guérison aussi de deux personnes, la réconciliation avec une personne que vous avez déjà dans votre vie. En tout cas, il y a une guérison qui se fait pour ouvrir quelque chose de plus lumineux. C'est peut-être une nouvelle étape de vie avec votre conjoint actuel, si vous avez quelqu'un. Voilà, et il y a une élévation hein, qui se fait. Il y a une guérison, une élévation, les amis, donc c'est positif. Peut-être certains auront fait des thérapies de couple, ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qui me vient, un travail avec l'homme. Et il va y avoir une forme de réussite aussi, ou de dépassement des difficultés. C'est vraiment ce qui me vient. En tout cas, il y a un alignement parfait maintenant avec cette personne. Comme si certaines personnes en couple étaient désalignées, ben là, on reprend le dessus et on se réaligne, on se reconnecte. Je ne sais pas trop comment vous dire, en tout cas, j'espère que vous me comprenez bien. Voilà, en tout cas, bah encore l'union à deux. Hein. La sexualité, pour moi, c'est l'union à deux, le changement après un échec. Ça peut être des réconciliations, les amis. Ça peut être l'arrivée de nouvelles personnes. Après, vous êtes libérés d'une guérison intérieure en lien avec un homme du passé, par exemple. En tout cas, la roue tourne, on passe sur quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré avec la guérison. D'autres s'associent dans le domaine de la guérison. Voilà. En tout cas, il y a aussi le fait de s'apporter une guérison mutuelle. Voilà. Et vous passez de l'échec à la réussite, quoi, quelque part. Il y a du changement dans l'air, hein. Mais le chemin est lumineux, hein. Donc, j'aime bien, moi, quand c'est comme ça. Franchement. Si vous êtes un homme, vous avez essuyé peut-être un échec.
voilà, et ben, à force de vous faire un travail intérieur pour vous libérer de cet échec, de vous apporter une guérison, il y a du changement dans l'air, il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui seront en phase avec qui vous êtes. Vous serez alignés, les amis. Il y a peut-être eu des difficultés au sein d'un couple. Vous vous réalignez, les amis. Vous rentrez dans une étape de vie plus harmonieuse, plus agréable. Après être passé par un travail, il y a les plaisirs. Hein. Il y a le nouveau démarrage d'un cycle. Avec la guitare, c'est les plaisirs, quoi. Par rapport aux choses qui ont été difficiles ou les trahisons, moi, pour moi, il y a eu des trahisons par rapport à certaines personnes. Et bien là, on voit que vous retournez la situation et que maintenant que vous êtes libéré de ça, vous allez vers davantage de plaisir. Il y a peut-être le retour de personnes avec lesquelles vous allez vous réconcilier. Pour d'autres, il y a le démarrage avec l'arrivée de quelqu'un, mais vous allez vous méfier du fait des choses du passé, en fait. Toujours pareil, on est toujours lié à des blessures du passé, donc du coup, on est plus méfiant que dans l'ouverture. En tout cas, pour moi, ça va être transformé, ça, hein, parce que le chemin est lumineux, vous allez vers des plaisirs, il y a la transformation des échecs, il y a les prières exaucées, donc même si vous êtes un peu dans la prudence, dans la méfiance, j'ai envie de vous dire de ne pas vous inquiéter, quoi. Que c'est l'univers qui vous envoie cette personne et que ça va vite se transformer tout ça. Si au départ vous allez être sur la prudence, vous allez vite transformer tout ça en ouverture. Hein. Non, non, c'est vraiment chouette, chouette hein, ce tirage encore une fois. Hop, il y a une forme d'accomplissement là, mais là il y en a trop qui ont sauté. Donc je vais, en tout cas on avait la carte de l'accomplissement, de l'ouverture aussi. Peut-être de l'évolution spirituelle à deux, on se guérit mutuellement, on s'élève mutuellement. Ouais, c'est chouette. Et on va vers davantage de plaisir avec la carte de... Voilà, vous avez l'intuition. Donc vous allez sentir les choses. Vous allez les sentir. Voilà, il y a un nouveau commencement qui arrive. Et je pense que c'est en lien avec cette rencontre, hein, moi. Et de la stabilité, de l'ancrage aussi, des choses qui vont grandir. Donc là, c'est comme si vous alliez prendre une nouvelle étape de vie avec quelqu'un que vous avez à vos côtés, un homme, ou rencontrer un homme avec lequel vous allez démarrer quelque chose. Et avec l'ancrage, on voit que ça va évoluer, que ça va se manifester, que vous allez être solide à deux, quoi, quelque part, et que ce que vous allez enclencher va être durable avec l'ancrage, pour moi. Avec l'ancrage, c'est la connexion à ses racines aussi. Cette personne, elle n'est pas là par hasard si elle rentre dans votre vie. Hein. Moi, pour moi, vous la connaissez d'une vie d'avant. Et vous avez quelque chose à faire. Mais qui va être durable pour moi. Pour moi, ça va être durable. En tout cas, ça correspond à vos prières. Hein. Et on vous dit peut-être aussi, peut-être, de vous fier à votre intuition et pas à votre méfiance et aux blessures du passé, de plutôt vous connecter à la voix de votre cœur et à ce que vous ressentez. Parce que je pense que c'est ça qui vous guidera le mieux. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est positif là. Hein. Il y a un nouveau départ, les amis, qui arrive. Hein. C'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Ça va vous apporter de l'ancrage et beaucoup de stabilité, cette rencontre, pour moi. Il y a une rencontre qui va vous permettre aussi d'exprimer pleinement qui vous êtes avec l'ancrage. Certaines personnes feront leur valise pour une escapade avec un homme. Me demandez pas, c'est pas, les cartes disent pas ça, mais c'est ce que je reçois, donc vous me connaissez maintenant. J'ai l'habitude de donner d'abord mes ressentis et ce que j'entends. Donc même si les cartes correspondent pas, je m'écoute moi. Allez, The Lover. Bon, ben voilà, on a l'amour, hein. Mais l'amour au sens large, c'est pas forcément l'amour, ça peut être l'amour d'un ami, ça peut être l'amour, enfin tout ce qui est sous forme d'amour, mais qui n'est pas forcément en lien avec le sentimental. Hein. Il peut y avoir l'amour de quelque chose à créer à deux sans que ce soit sentimental. Hein. En tout cas, il y a de l'amour qui revient et il y a des partenariats, des unions. Donc voilà, il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un projet avec votre conjoint aussi qui se fait et qui va vous apporter une stabilité ou qui est amené à durer.
Pour moi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai quand même le mot escapade. Il y en a qui vont peut-être faire des escapades à deux. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a une forme de transformation. Alors là, c'est vraiment l'arrivée de quelqu'un après avoir essuyé une trahison avec quelqu'un d'autre. Qui vous a mis dans un état de solitude. Et là, on voit qu'il y a l'amour qui revient dans votre vie après avoir essuyé ça. Peut-être que certaines personnes ont, ouais, je dirais des trahisons, quoi. Vraiment, des trahisons, du mensonge, de la manipulation, peut-être certaines personnes ont vécu. Mais tout ça, ça devait être libéré, transformé, pour que vous puissiez laisser rentrer dans votre vie quelqu'un qui vous correspondra davantage. Moi, pour moi, il y a l'arrivée de quelqu'un avec ce tirage, les amis. Ou la transformation avec quelqu'un déjà existant. Et vous l'adaptez au domaine de situation qui vous correspond. Voilà, en tout cas, c'est que du positif et c'est juste génial. Voilà, vos prières sont entendues, sont exaucées. Et il y a une étape de vie qui s'ouvre avec un homme qui aura une place importante, je pense. Ou si c'est vous l'homme, eh bien, vous aurez une place importante dans la vie de quelqu'un. Ou alors, si vous êtes en couple, par exemple, vous aurez quelque chose qui va se vivre avec votre conjoint. Quelque chose de plus lumineux. Après être passé par un travail de libération intérieure ou de guérison, les amis. Allez, eh ben, rayonne qui tu es. Moi, je pense que là, on vous invite à être pleinement qui vous êtes, à accueillir ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. C'est l'univers qui vous les envoie parce que vous avez fait des demandes et des prières. Vous êtes guéri par rapport à certaines situations et maintenant, les choses peuvent se mettre en place. Donc, on vous invite pleinement à être qui vous êtes et à avancer sur ce chemin, à faire rentrer les personnes qui arrivent dans votre vie et à avancer vers davantage de lumière. Tout simplement. Les choses s'éclairent, hein, j'entends. Avec cette carte, les amis, d'introspection, les choses s'éclairent. Et avec le soleil du chemin, eh ben, vous êtes sur votre bon chemin. Et donc, voilà. Voilà, chers amis, pour cette guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très, très fort, les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies quotidiennes du lundi. Bye, bye. Prenez soin de vous.